Dans la vidéo précédente, nous avons défini un polynôme associé à une matrice carrée. Et ce polynôme avait la propriété que si lambda est une valeur propre de la matrice, alors lambda est une racine de ce polynôme et aussi la réciproque. Okay? Maintenant, on a terminé la vidéo avec une question. Et ça, c'est si je me donne une application linéaire, pas une matrice, mais une application, et je pose une matrice ou bien une autre, est-ce que j'obtiens le même polynôme? Donc, je vais ici donner un nom à ce polynôme et aussi répondre à cette question. Donc, voilà la définition qui donne un nom à ce polynôme. Je me donne une matrice et puis T une indéterminée. Alors, le polynôme caractéristique de A est le polynôme défini par je soustrais T fois l'identité de la matrice et je fais le déterminant, je calcule le déterminant de cette matrice. Donc, ça, c'est exactement le polynôme que nous avons vu dans la vidéo précédente. Maintenant, ce que je n'avais pas souligné, mais si vous allez regarder les exemples que nous avons faits, c'est que ce polynôme est toujours un polynôme de degré n, donc n étant la taille de la matrice. Et puis, il faudrait bien réfléchir à pourquoi c'est le cas. Si on donne une autre définition du déterminant, ça devient plus évident. Mais bon, je vous dis que c'est un polynôme de degré n. Et donc, ça c'est déjà, si vous faites un calcul et vous n'obtenez pas un polynôme de degré n, il y a une erreur. OK, faisons quelques exemples. Donc, je pose une matrice de fois 2 quelconque. Et puis, CA de T. Donc, c'est le déterminant de cette matrice-là quand je soustrais T le long de la diagonale. Donc, j'ai A moins T, B, C, D moins T. Et donc, le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est A moins T fois D moins T, moins BC. Bon, je développe un petit peu. Donc là, j'aurai T au carré moins A plus D fois T plus AD moins BC. Donc c'est assez joli comme formule parce que on retrouve des valeurs associées à la matrice que nous avons déjà étudiée. Ici, c'est la trace de la matrice. Donc on a moins la trace. Et ici, c'est le déterminant de la matrice. Donc ça, c'est assez joli. Bon, ça, c'est une formule générale pour le polynôme caractéristique d'une matrice 2 fois 2. Maintenant, on fait un exemple 3 fois 3, mais pas en général. Donc voilà, je me donne une matrice B, 3 fois 3, et je calcule le polynôme caractéristique de B. Donc c'est B de T est égal au déterminant de la matrice. Je prends B et je soustrais T le long de la diagonale. Donc, j'ai 1 moins T, moins 1, 3, 0, 1 moins T, 1, 1, 0, moins T. Puis maintenant, je pourrais commencer à développer le long d'une ligne ou bien d'une colonne. Mais en fait, je vais faire un petit peu des transformations d'abord parce que, après, j'aimerais trouver la valeur propre. Donc, si je peux simplifier la matrice un tout petit peu avant de calculer son déterminant, peut-être ça m'aide à factoriser après ce polynôme. Donc, ça, c'est un peu le but de ce que je fais maintenant. Donc, ici, je vois qu'une simplification que je pourrais faire, c'est que je peux rendre ça 0 en additionnant ici t fois la première colonne à la troisième colonne. Et puis après, j'aurai 2 zéros dans la troisième ligne et ça, c'est bien. Hein? Donc, ici, je vais additionner T fois la première colonne à la troisième. Et on se rappelle que quand on fait des opérations sur les lignes ou bien les colonnes d'une matrice, des fois ça change le déterminant, mais d'une façon connue. Ici, quand on fait cette opération-là, rajouter à une colonne ou bien à une ligne un multiple d'une autre colonne ou d'une autre ligne, ça ne change pas le déterminant. Donc, le déterminant est égal au déterminant de la matrice que j'obtiens. Donc là, la première colonne ne va pas changer. La deuxième colonne ne va pas changer. Et maintenant, je vais rajouter T fois cette colonne-là à la troisième. Donc j'ai 3 plus T fois 1 moins T. Là, j'ai 0 plus 1. Et là, j'ai T plus moins T, donc 0. OK? Et puis maintenant, je vais développer le long de la troisième ligne. Donc, ceci est égal, donc, plus moins plus 1 fois
le déterminant de la matrice 2 fois 2 qui est ici dans le coin. Donc là, j'ai moins 1, 1 moins t, 1. Et ici, j'ai 3 plus t moins t au carré. Et puis, maintenant, le déterminant de ça, bon, plus 0 plus 0 est égal à moins 1 moins 1 moins t fois 3 plus t moins t au carré. Bon, en l'occurrence, ça ne m'a pas aidé à factoriser ce polynôme, mais ma foi, c'est le polynôme. Donc ça, c'est le polynôme caractéristique de la matrice B. Je vais juste simplifier un petit peu parce que j'aimerais bien pouvoir trouver les valeurs propres si possible. Donc, ça serait bien. Donc, je pose la question. Donc, ça, c'est le polynôme. Hein. Question. Quelles sont les valeurs propres de B? OK. Alors, je vais juste développer un petit peu le polynôme. Donc, CB de T est égal à moins 1. Et après, je vous laisse vérifier que si je développe tout ça, j'ai T au cube moins 2T au carré moins 2T plus 3. Donc, T au cube, T au carré, je l'ai moins une fois, encore moins une fois. T, je l'ai moins 3, plus 1, c'est moins 2, plus 3. Oui, ça, c'est juste. Donc, ici, est égal à moins T au cube plus 2T au carré plus 2t, et après, j'ai moins 4. Et puis, bon, normalement, factoriser un polynôme de degré 3, ce n'est pas évident, mais ici, je vois une astuce. Donc ici, je mets en évidence t au carré, ici, et j'ai moins t plus 2. Et là, je mets en évidence moins 2, et j'ai moins t plus 2. Donc du coup, j'ai moins t plus 2 en évidence. Et puis, t au carré moins 2, un facteur. Donc, les valeurs propres de V sont les solutions de l'équation moins t plus 2, t au carré moins 2 égale à 0. Et donc, lambda 1 égale à 2, lambda 2 égale à racine de 2, et lambda 3 égale à moins racine carrée de 2. Puis bon, ici aussi, on voit qu'effectivement, c'est un polynôme de degré 3. La matrice, elle est une matrice 3 fois 3. Donc, tout ça, ça joue. OK, donc ça, c'est un bon exemple. Bon, ça montre aussi la difficulté que nous allons rencontrer, c'est trouver les racines de ce polynôme. Maintenant, je procède vers la question. Si je me donne une implication, pas une matrice, mais une implication, que se passe-t-il quand je calcule les polynômes associés à deux représentations matricielles différentes? Donc, je me donne une matrice n fois n et une matrice inversible. Alors, ce qu'il faut, c'est de voir quelle est la relation entre le polynôme caractéristique de la matrice A et le polynôme caractéristique de la matrice PAP inverse. Et puis, je prétends qu'en fait, c'est le même polynôme, donc c'est-à-dire deux matrices semblables possèdent le même polynôme caractéristique. Donc, je vais démontrer ça. Et après, on voit que c'est exactement ce qu'il faut pour bien définir le polynôme caractéristique d'une application linéaire. Donc d'abord, je montre ça, preuve, ce n'est pas difficile. Ça suit directement de la définition. Donc si je fais le polynôme caractéristique de CPAP inverse de T, ceci est égal au déterminant de la matrice PAP inverse moins T fois l'identité. OK, ceci est la même chose que le déterminant de PAP inverse moins T fois P fois P inverse. OK, parce que l'identité, c'est P, P inverse. Donc, ceci est égal au déterminant. OK, maintenant, ce P-là, je peux le passer à gauche du T, parce que T, c'est comme une valeur réelle. Donc, ici, j'ai P. A, P inverse, moins T, P inverse. Et ensuite, le déterminant de P. Et ici, je vais glisser encore une identité entre deux ici. Et maintenant, j'ai à droite deux fois le P inverse que je vais mettre en évidence.
Très bien. Et puis maintenant, on sait que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc ça, c'est le déterminant de P. Le déterminant de A moins T fois l'identité. Le déterminant de P inverse. Et puis enfin, on sait aussi que le déterminant de P inverse, c'est juste 1 sur le déterminant de P. P est inversible, donc ce déterminant est non nul. Et puis, donc ça tombe, ces deux termes-là, et je trouve le déterminant de A moins T fois l'identité. Et ça, c'est exactement le polynôme caractéristique de la matrice A. Donc là, on a démontré que l'égalité ici est vérifiée. Maintenant, ça nous donne la possibilité de bien définir le polynôme caractéristique d'une transformation linéaire. Donc voilà, ça c'est la proposition que nous venons de démontrer. Et puis voilà la définition. Je me donne une transformation linéaire d'un R-espace vectoriel V de dimension finie. Et puis, je définis le polynôme caractéristique de T comme étant CA de T, où A est la représentation matricielle de T par rapport à une base ordonnée B, mais une base quelconque. Donc ici, la remarque à faire, c'est que c'est une bonne définition parce que si B prime est une base de V, on a que la représentation de T par rapport à B prime est égale à la représentation de T par rapport à B avec un P, P inverse, pour une matrice inversible P. Bon, c'est une matrice changement de base. Et donc, par la proposition, le polynôme caractéristique de cette matrice-là est exactement le même polynôme que le polynôme caractéristique de cette matrice-là. Donc, on peut commencer avec la représentation de T par rapport à la base B ou bien la représentation par rapport à une autre base et ça donne le même polynôme. On dit en fait ici que le polynôme caractéristique est un invariant de similitude. Ça ne change pas si on calcule le polynôme caractéristique pour deux matrices semblables, c'est pareil. Et puis, ça nous permet aussi d'introduire une notation. Si on a une transformation linéaire, on va écrire CT de T pour le polynôme caractéristique qui est associé à cette transformation linéaire. OK, maintenant, un exemple. OK, je me donne l'application linéaire phi qui part des matrices de fois 2 réelles et qui arrive dans les matrices de fois 2 réelles. Et puis, cette application va me donner la transposée de la matrice. Et puis, ce que je veux faire, c'est de trouver le polynôme caractéristique de T. Après, on peut éventuellement chercher aussi les valeurs propres de T. OK, alors, je pose d'abord une matrice, une représentation matricielle pour T. Donc, je fixe une base, B, de l'espace vectoriel. Et je vais prendre la base E1,1, E1,2, E2,1 et E2,2. Et puis, la matrice de phi par rapport à cette base est égale. OK, maintenant, je fais la transposée d'une matrice diagonale, ça ne change pas. Donc, E1,1 est envoyé à E1,1. Ensuite, E1,2 est envoyé en bas à E2,1. Donc, c'est 0, 0, 1, 0. Ensuite, E2,1 est envoyé à E1,2. Donc, 0, 1, 0, 0. Et puis de nouveau, une matrice diagonale sous la transposée ne change pas. Voilà. Donc maintenant, je calcule le polynôme caractéristique de phi. Donc c'est phi de t, c'est le déterminant de la matrice où je soustrais t le long de la diagonale ici. Donc j'ai 1 moins t, 0, 0, 0. 0 moins t, 1, 0. 0, 1, moins t, 0. Et ensuite, 0, 0, 0, 1, moins t. OK, bon, on a de la chance parce que cette matrice a beaucoup de 0 déjà.
Donc, ça, c'est la même chose que le déterminant. Bon, je développe ici le long de la première ligne. Donc, j'ai ce coefficient-là qui multiplie 1 moins t qui multiplie le déterminant de ce qui reste quand je supprime première ligne et première colonne. Donc, c'est moins t 1, 0, 1 moins t 0, 0, 0. En moins t et le reste est 0, donc c'est OK. Et maintenant, je vais développer ce déterminant-là par rapport à, disons, la troisième colonne. Donc, j'ai le facteur de 1 moins t que j'avais avant. Ensuite, j'ai plus, moins, plus, moins, plus. Encore un facteur de 1 moins t. Et j'ai le déterminant de la matrice 2 fois 2 qui est ici dans le coin. Donc, moins t, 1, 1, moins t. Donc maintenant je finis, j'ai 1 moins t au carré, et puis ici j'ai t au carré moins 1. Donc du coup ce polynôme, je peux facilement le factoriser en facteur linéaire, j'ai t moins 1, t plus 1. Bon déjà, vous voyez que c'est bien un polynôme de degré 4. Donc, comme j'ai dit avant, si vous faites ce calcul et vous ne trouvez pas un polynôme de degré la taille de la matrice, il y a une erreur. Donc, c'est degré 4. Et puis, ici, je connais toutes les racines. Donc, les valeurs propres de phi sont lambda 1 égale à 1. Donc, là, j'ai une racine 1, là aussi. Et lambda 2 égale à moins 1. Donc, là, j'utilise ce qu'on a déjà vu, que quand on a une application linéaire, pour trouver ses valeurs propres, on peut travailler avec la matrice qui représente l'application. Et puis, l'autre chose, c'est que si on veut les valeurs propres d'une matrice, on calcule le polynôme caractéristique et les valeurs propres sont les racines de ce polynôme. Donc, voilà l'exemple. Et puis, je vais juste signaler encore une chose avant de terminer. C'est que si on a une valeur propre, on sait que quelque part, il existe un vecteur non nul qui est envoyé à ce multiple de lui-même. Et puis, je veux juste remarquer qu'ici, on voyait déjà, quand on a posé la matrice, on aurait pu remarquer déjà que 1 est une valeur propre parce que le E en 1 est envoyé à lui-même. Et le E de 2 est envoyé à lui-même. Donc, ça veut dire qu'on savait déjà, avant de faire le calcul, qu'on devrait trouver comme racine du polynôme caractéristique la valeur 1.